Tabo, on appelle Ariel Marguerite, bientôt 28 ans. Gérante d'une boîte de production de photos et vidéos, habitant de Richemont à Flac. Et... Alors, oui, à savoir que c'est, il n'y a pas que moi seule qui m'écrit un livre par rapport à ça, parce que vous savez, l'initiative vient du ministère des Arts et de la Culture. C'est un plan d'aide, en fait, qui s'est mis à la disposition de Banotis l'année dernière, juste après le Covid. Alors, moi, quand je trouve ça, mais, comment dire, c'est un intéressement, parce que je suis tout le temps envie, comment dire, écrire un livre, mais comment dire ça, mais j'avais peut-être cette opportunité pour, comment dire, commencer. Léa, ouais, du coup, le thème c'était l'expérience Covid. Ben, mon une histoire en fait qui parle du Covid, mais au passé, parce que l'histoire se déroule en 2020. On parle de l'expérience Covid, mais liée au passé, parce que c'est comment dire, c'est un enfant de maintenant qui grandit, il y a un grand-père qui lui raconte ça seulement à ses enfants. Enfin, tout ce qui peut arriver actuellement. Il est vrai que, comment dire, là, nous, en plein là-dedans, ça fait peur, c'est un affaire nouveau pour nous, nous, pas qu'on voudrait même, d'une certaine manière, en fait, c'est tout l'année dernière, parce qu'on est vraiment habitué, mais, comment dire, moi, la tête me faisait comme ça, mais, après, ça sera du passé, comment dire, nous pouvons finir, trouver une solution, comment dire, mais, quand, comment dire, nous pouvons récoser, mais nous, pas pour, oui, il peut toujours, comment dire, s'agréner, il peut toujours, comment dire, une marée-épreuve qui, comment dire, toute l'affaire, une passée. Mais nous pouvons aussi garder un joli souvenir de ça à l'époque-là, un moment en famille, pendant le confinement, dans un fait comme ça. Comment dire, ok, pendant le confinement, moi, j'ai une petite réflexion, comment dire, pendant que, comment dire, tout ça se fait dérouler. Il est là. En fait, on parle d'un concept là-dedans qui s'appelle le renew period. Oui, nous pouvons vivre une situation pas facile par rapport au Covid, mais parfois, dans ma difficulté, nous devons essayer trop d'opportunités.